Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Abigail Foods, le resto à la maison. Aujourd'hui, je vous présente ma recette du riz gras à la tomate. C'est tellement facile et c'est tellement délicieux. Si vous voulez la recette, ne quittez pas, c'est après le générique. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Bonjour, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui c'est la recette du riz gras à la tomate. On aura besoin de mes épices vertes. Qu'est-ce que je mets dedans? C'est le poivron vert, le poireau, le gingembre, l'ail et un peu de sel. Vous pouvez rajouter du céleri. Donc j'ai besoin de ça. On aura besoin du poivre noir moulu, du poivre blanc moulu ainsi que la cannelle. Donc, si vous avez d'autres épices, vous pouvez rajouter ça. C'est facultatif, mais moi, voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Ensuite, je vais utiliser une demi-tomate, un demi-poivron vert et un demi-oignon. Pour ce qui est de l'huile, c'est la tomate, c'est 2 cuillères à soupe. Donc, ce n'est pas les petites cuillères qu'on utilise pour le café, c'est vraiment la cuillère avec laquelle on mange, 2 cuillères environ. Pour l'huile, c'est 125 ml. Pour l'eau, c'est 1 litre d'eau. Donc, 1 ml, vous savez que c'est 1 litre. Pour le riz, c'est 1 kg de riz parfumé. Voilà, ça, ce sont les ingrédients dont on aura besoin. Sans plus tarder, pour cuisiner, on va mettre l'huile dans la marmite. On va laisser chauffer au moins 1 minute, sinon 1 minute 30 au feu maximum. Et quand l'huile va chauffer, là, vous allez rajouter les oignons et le poivron, ainsi que la tomate. Thank you.
bandi, la mauvaise dit, mon doux bandi bandi, mon irène dit ma roboulou. Donc ici, il faut vraiment tourner le riz parce que si vous ne tournez pas, ça risque de cramer en bas. Donc il faut vraiment tourner, vous allez continuer de remuer comme ça. Et après ça, vous allez laisser mijoter pendant au moins 4 à 5 minutes parce qu'il faut que le riz puisse bien griller. Moi, je le fais comme ça parce que j'aimerais avoir des graines vraiment très fines. Je ne veux pas que mon riz gonfle trop. Je ne veux pas avoir de grosses graines de riz. J'aime lorsque c'est très fin. Du coup, pour avoir cet effet-là, je laisse le riz griller comme ça quelques minutes, comme je l'ai fait pendant 4 minutes environ. Et là, maintenant, je vais mettre de l'eau. Après avoir mis de l'eau, je vais fermer la marmite avec un torchon propre. Je vais fermer hermétiquement avec le torchon. Ensuite, je vais mettre le couvercle par-dessus. Je n'ouvre pas pour venir tourner. Je reviens, je mets ça à feu doux et je reviens 25 minutes ou 30 minutes après. Ça dépend vraiment des feux. Il y en a des feux où 25 minutes, c'est correct. Il y en a d'autres où ça peut prendre 30 minutes environ. Donc, je laisse à feu doux pendant mes 30 minutes et quand je reviens, le riz sera prêt. Voilà, mon riz gras, il est prêt, donc il manque plus qu'à dresser le plat. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Abigail Foods, de me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok sous le nom Abigail Foods. Merci d'avoir visionné et bye bye, à la prochaine. Laissez en commentaire le nom du plat que vous voulez que je puisse reproduire. Bye. Mon Dieu.